Oui, c'était clé technique. Alors, je dis à ma partage une vidéo avec nous, côté que nous avons changé une vecteur et lui qui nous a quitté là déjà. Alors, nous qui nous a quitté là déjà, nous avons remplacé une parole qui nous a quitté. Alors, moi, c'est Schneider. Vous pouvez voir là, vous pouvez voir un. Alors, je dis à c'est clé technique. Nous, Maurice, avec Jimatis Kenzel, pour nous faire une installation de vecteur automatique. Et déjà, batterie déjà câblée, c'est juste une version de remplacer, retirer le câble, input, output, et puis connecter. Alors, pas bien que vous êtes connecté avec nous, avec Téléco. Sous la vidéo, abonnez, partagez et like chaque vidéo. Venez sur avec nous, installation de ça. On a dit. Cléter, ou bien problème d'indemne, problème réfrigérateur, problème climatisé, pas négligé. Cléter, nous fait installation, nous bail bon réparation, nous même fait formation, pas négligé. Cléter, nous fait installation électrique, panneau solaire, inverter, climatisé, et même montage réseau pour cybercafé. Et si vous avez problème avec appareil électroménager, pas hésiter à relever nous, parce que Cléter, vini avec solution en pour. Plus d'informations, relais-nous 31 66 46 36 41 00 86 37. Cléter, le docteur de votre appareil électroménager. Cléter. Alors, j'aime dire non, nous allons juste remplacer un inverter. Alors, là, nous avons un inverter, ça là. Et 12 kW. Et Wave Power System 12 kW. C'est un inventeur qui est endommagé, qui est en panne. Et la politique est liée. Déjà, la batterie est déjà installée. Nous avons 2, 4, 6, 8. Nous avons 16 batteries 6 volts, 225 Ah et 3 gens. Avec un régulateur Schneider et 60 Ampères. Ok, 60 Ampères. Et alors mes batteries là, mes inverteurs là, 12 kW et 48 volts. Et nous allons déconnecter câble entrée sortie et neutre. Alors input sortie inverteur neutre et ground. Ok, nous allons remplacer inverteur ça par un inverteur Schneider. Ok, ça c'est le remote inverter. Alors, techniquement, qui est connecté avec l'inverter à l'aide d'un câble et réseau RG45 et qui permet que nous éléments qui est affiché au niveau du réseau, au niveau de l'inverter, par quelques paramètres, tout ça. On a vu au niveau de remote là. Ok. Sauf que câble ça pas là. Voilà. Câble ça. OK. On a pas une voiture, seulement bien. OK. Ça manque, ça a chauffé. Bah ça a chauffé, ça manque de l'eau. Ça manque de l'eau. Ça chauffe, oui, ça manque de l'eau. Ok. Alors, la bille connectée pour mes inverteurs. Et ça, c'est output. Alors, comme tu l'as dit, output ça, couleur aussi bleue. Même j'ai avec entrée. Ma tagué avec tes. Non, je tagué déjà. Ok, bon. Entre vous tagué déjà, ma ça non. Blanc c'est net. Blanc c'est net. Et bleu c'est 66 phases. Deux phases entrées, deux phases sorties. Combien de? Ok. 3 minutes toujours. 3 minutes toujours.
Ok. Déconnecté ça là. Good. Alors là, et n'a pas dévissé une inverteur, dévissé une inverteur pour nous mettre la tête. Okay. Inverteur à terre, on va mettre une inverteur Schneider de 6 kW là. En place dans l'inverteur wheel de sud droite là. Ok, clé 13 ou 14? 14. Mais, on clé à ça. Ok, ça c'est le support pour l'inverteur. Qui mettait là, qui mettait l'inverteur et Schneider là. Tu t'as sous lui? Hein? Hmm? Pas marcher rien, non? Exact, pas marcher. Oh. Comment j'ai vu ce bruit? C'est bon. Ok, je vais mettre ce bruit. Là maintenant, on va le faire tout au bruit, Schneider. Pour nous mettre. Tout le bruit là. Alors, déjà, il y avait un peu de temps, mais installé. Ça, c'est le PCA. Maintenant, on va passer avec la connexion, mais par contre, il y a un peu de temps. Il y a un peu de Ok, je vais parler là. Je suis fou. Allez là. Tu as quoi, non? Mieux va, non?
inverteur ça galé pour nous là il y a 3 6 9 OK c'est ça pour nous marquer là parce que ça c'est assez l'autre là assez l'autre là ça c'est phase 1 même temps c'est neutre et là c'est phase 2 ça est sorti yo. OK là nous gagne de même tout pour grid là qui c'est réseau EDH là et là nous gagne pour génératrice grid OK et là nous va mettre connecté et ground au niveau de inverter là OK alors câble ça yo là alors moi qui trop petit yo toi coûte on da allonger ça c'est input de phase output. OK alors c'est ça peut-être ça moi tout il va voilà non il lave. Ça y a plus batterie à m'a connecté là. Même plus 14. Ok, nous faisons collecter positif là. Ok. Vol d'essai, négatif. Négatif. Et tout positif là connecté déjà, ça fait 53 vols. Ok. Alors, pour positif là connecté déjà. Ça fait 53 vols. Là, on va connecter négatif. Là. OK? Négatif. Là. Bon. Négatif. OK? Ça est positif, connecté déjà. Négatif. C'est capacité qui chargé. OK. Capacité qui chargé qui fait ça. OK. OK. Avant de charger pile là monsieur. Yeah. Oui. OK. Oui. OK, il va être allumé. Voilà. OK. Bon, là, on va commencer à faire l'autre chose avec. M'a voyé input la voix avant. OK. Yeah. Ça va pas besoin de faire. Tout va être allumé. OK. L'aller off. Alors, monsieur Bonbil, alors, Camille, suivez. Ok. Guaran est net. 0 vol, ground et phase 1. 117. Et phase 2 de la phase 234. Alors techniquement là, moi j'ai entre phase et ground, et ben moi 117. Alors techniquement, ground est toujours console avec neutre en réalité. Parce que ground est à la terre et au niveau du réseau, neutre là toujours lié à la terre. Même là, on prend voir, on prend phase libre, ça, c'est pas un problème. Ok, phase 1 et neutre, ça fait 117. Phase 1 et phase 2, ça fait 234. Phase 2 et neutre, ça fait 117. Ok, neutre et guaron, c'est plus de 0,09. Puisque guaron signifie et différent de potentiel. 0 vol, alors on vient 0 vol. Ok, alors là. Là, c'est
c'est entrée phase, et sortie phase yo, output yo, ça c'est entrée grid là et qui c'est réseau là, et ça c'est entrée génératrice là, entrée génératrice là qui c'est phase neutre et deuxième phase, et entrée grid là qui c'est assez réseau là, qui c'est phase neutre et deuxième phase là, sortie faut sortir assez l'autre là c'est phase 1 neutre et phase 2. OK, alors c'est ça. OK, inverter ouvert, il ouvert là, là nous on inverter, nous allons aller connecter d'abord off. Non off les pour ne pas prendre courant déjà leur faire installation, faut que assure que ou pas ou pas gain courant et au niveau de sécurité pour éviter. Alors off là, inverter off. OK. Input connecté, il était seulement une minute. Ok, alors filet, alors papa, il était à filer, il était à filer, phase là on va mettre tête là à promener avec net sortie inverter et comme phase inverter noyau phase et ça c'est net et dans le gain phase génératrice phase et net yo comme ok. Panel breaker qui est sur inverter. Alors tout ce que yo on, alors ma off.
Ok. On offre. Deux fils ça aussi directement dans l'inverteur. Alors, nous allons descendre d'abord dans l'inverteur. On fait photo. Puis, on va descendre d'abord dans l'inverteur. Et chaque salle montée, il faut nous vérifier combien on perd. Et ça s'active. Je suis sûr que si tu as là, fonctionne correctement. Bon, ça c'est ça. Mon ton gagne beaucoup. Mon ton deuxième. Mon ton troisième. Montons l'autre quoi. Montez deux. Ok. Mettez-nous deux pour qu'on monte. Ok. Tout net fin de monter là. Ok. Là, inverteur à tirer à peu près 1 kW et 900 910 920 watts et tout le monde qui a monté les tirer 2.25 ampères sur phase 2A et les tirer 5 ampères sur phase 1A. Ok, alors c'est ça. Ok, 2 ampères sur phase 2 ampères sur phase 2A et 5 ampères sur phase 1, 5,46 ampères. Ok? 5,46 ampères. Ok, c'est ça. Là, il va être marché correctement là. Ok? Là, je vais charger la marmotte. Ok. Alors, au niveau de l'inverteur là, on a pas que AC2 a voulu mettre à clignoter. Techniquement, il y a une entrée au niveau de AC2. Ok? AC2, j'ai une axe là connecté sur lui. Mais il n'y a pas qu'on fait transfert. Il n'y a pas qu'on fait transfert pour le charger. Sauf que AC2 a monté. Là, je fais transfert. Et là, mais qu'on l'a tiré sur Fazio, l'a chargé batterie avec 53 ampères. L'a chargé batterie avec 53 ampères. Batterie va charger avec 49 ampères là maintenant. Et l'a tiré 6 ampères sur une phase. Sur une phase. Ok, 6 ampères. Sur phase 1, alors 8 ampères sur phase 1 et batterie à charge avec 47 ampères. Batterie à charge avec 47 ampères et tirer 8 ampères sur phase 1 et alors on prend en bas et 13 ampères sur phase 2, 8 ampères sur phase 1. Ok, 13 ampères sur phase 2, 14 ampères sur phase 2, 8 ampères sur phase 1. Ok. Ça, c'est ça, inverteur à tirer sur phase 2. On va regarder au niveau de courant DC qui a chargé la batterie. Courant qui a chargé la batterie, la charge batterie avec un courant de
40 ampères. Et là, nous est là, c'est 43. Et 40 ampères affiché dans clamps ampèremétriques là. Ok? 45 ampères. Ok? 44.4 ampères. Alors, c'est ça. Alors, quand on charge la normale, il est correct. Le bas est correct. Alors, c'est ça. Et ça, là, sont finis là pour je dire. Pas un câble réseau pour remonter la connecter. Pas un câble réseau pour remonter ça connecter sur l'inverteur. Qui peut avoir plus d'informations, plus de détails.